Si vous voulez mon argent, prenez mon portefeuille. Frappé violemment cette nuit. La police cherche encore l'agresseur, il portait un masque et était de taille moyenne. J'en ai marre de cette propre. C'est cette propre. Elle, de base, elle était bien, mais là, stop. J'espère que ça servirait en vrai. Je suis pas gentil, mais franchement, j'espère. Bon, salut. Quelle vie de merde. Là. Vu ton masque, je suppose que c'est toi le type qui a frappé un mec hier. Qu'est-ce que ça peut te faire? Je suis déçu en fait. Tu sais même pas te battre. Tu vois, ça sert à rien ce que tu fais là. Vas-y, viens, on va s'asseoir. Vas-y, viens. Et enlève-moi ce masque aussi, c'est ridicule. Ah, mais t'es un gosse en fait. Je suis de plus en plus déçu, moi. Bon, il t'arrive quoi? Tu seras des gens pour le plaisir ou t'as un objectif derrière? Cette société. On travaille, on dort, puis on travaille tous les jours. On est des robots. C'est quoi cette vie de merde? Faut que c'est quelqu'un qui s'occupe de changer de cette façon de vivre stupide. On est des sans âme. Ouais, c'est vrai. Tu sais, moi aussi je l'emmerde cette société. Mais là, frapper des fonctionnaires, franchement, j'avais pas pensé, hein. C'est pas mal. Puis le coup du masque pour cacher l'identité. Non, franchement, j'aime bien. Tu sais quoi? Je vais t'aider. Comment ça? Tous les deux, on va s'exprimer par nos points pour changer ce monde de merde. En fait, t'appelles comment? Mad. Moi, c'est Kazuya. Rendez-vous ici, demain, même heure. T'es à deux doigts de me battre, hein. Mais j'ai lancé une banane et il se l'est pris. T'aurais dû voir sa tête. Nous allons parler aujourd'hui de Spider-Man et analyser les différentes étapes. Donc, on va parler de la mort de Tante May.
Brad, ça va? C'est qui lui? Lui là-bas? Il vient nous aider à tabasser des gens, on pense comme nous deux. Si on continue de recruter des gens, on pourra attaquer plus que les simples citoyens, man. Bon, on commence? La ville est attaquée par plusieurs individus qui se disent être des justiciers. Les super nanas sont faites de sucre, de pisse et de tas de bonnes choses. Chaque nuit, leur nombre augmente. La police fait tout pour les arrêter, mais ils sont trop nombreux. Ils n'hésitent pas à frapper les policiers et à s'enfuir juste après. Habitants, restez chez vous le plus possible, ces gens sont totalement fous. Et là, tout le monde se marre. Tu te rends compte qu'il y a des gens qui aiment ce genre de film? Tout ça parce que Jean-Paul Roux fait un prout. Hein. Et ça y est, c'est marrant. On se fend la poire. Regarde ça. Ça devient vraiment dangereux de se balader la nuit maintenant. Si ça peut te rassurer, ils auront pitié de toi, vu comment tu te défends et tu pleurniches. N'empêche, j'aimerais pas me retrouver au milieu de ces fous. Ok, j'ai compris. On rentre. Faudrait pas que Monsieur Lamoviette fasse taper. Allez. Hey, salut Mad. Eh ben, je vois que t'as ramené un nouveau aujourd'hui. Bon, prêt à attaquer la mairie? La mairie? Tu connais ce type, Mad? Pourquoi il veut attaquer la mairie avec toi? Pas le temps, faut prévenir la mère. Tu vas rien faire. Mais t'es qui, toi? Pourquoi tu fais ça? Avec ce mec, on va changer ce monde. Enfin, je crois qu'il a oublié. Qu'est-ce que t'attends? On commence par la mairie, on finit par le pays. Je croyais que tu voulais changer ta vie de merde. C'est pas possible! Je peux pas faire ça! Et pourquoi pas? Avec Sacha, on aura rien! Rien qu'une vie ennuyeuse! Va avec Kazuya et pense plus à ces choses débiles! Ta gueule! Tu dis que de la merde! Attaquons cette putain de mairie! Tu touches pas, Sacha! Ça a commencé? Let's go! Tu es heureux que la première fois. Fils de pute! Thank you.
L'homme doit toujours se salir les mains pour changer ce monde. Ironie du sort, non? Ceux qui adhèrent à cette société sont des robots. Tandis que ceux qui veulent la changer sont des sans-âme, prêts à tout. Pas vrai, Kazuya? Mesdames et messieurs, ce soir s'est déroulé le premier meurtre.